Yo tout le monde, c'est Chiop, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons encore une fois, oui, encore une fois, l'Égypte. Alors, on s'est arrêté la dernière fois. Oui, on avait vu que Tingis s'était fait prendre, on avait nos... comment ça s'appelle déjà? Nos agents, oui, qui étaient en route pour la péninsule ibérique. Ça on l'avait abandonné. Il avait pas voulu nous attaquer lui, c'est ça? Oui, très bien. Et on faisait un petit peu de pillage. Voilà, rien de bien méchant. Un petit pillage en bonne et due forme. Franchement, rien de bien méchant. Alors, on va faire tour de siège légère. Ah, j'ai que du léger. Hein. Une tortue. Oui, c'est bien pour casser des murs ça. On continue un petit siège. Ok, Macédoine en Judée, on a Salamis. Bon, les deux, on ne fera pas cette blague. Désolé à tous ceux qui ont la ref, voilà, les enfants de cette mauvaise période que fut la télévision. petite bibliothèque, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal tout ça. Ah! Je viens de voir que Masgat est à nouveau tombé. Ben, je vais y retourner, hein. On va essayer de libérer ce peuple opprimé. Oh purée. On va essayer de libérer ce peuple opprimé. Où est-ce que je vais en marche forcée? Ouais, c'est pas spécialement à son avantage quoi. Parce que j'ai pas envie qu'il m'attaque non plus, tu vois. Et bon, j'aurai pas mal de renforts si jamais c'est le cas, normalement. Allez. On joue avec le feu, on aime bien le feu. Enfin, certains s'y brûlent. Certains de mes agents aiment le feu, mais se brûlent souvent. Oui. Donc, c'est pas formidable. Ah oui, je suis encore en train de courir après. Bon, j'ai la supériorité numérique sur la première flotte. J'ai la supériorité des navires à distance. Ouais, allez, je mène la bataille sur le champ. Et je vais très certainement partir en retraite après avoir essayé d'affaiblir sa flotte, tout simplement. Petite formation en double ligne. Putain, tu parles d'une double ligne dégueulasse, toi. Regarde, ils sont super prêts, on sait pas trop pourquoi. Ouais, tu parles d'une double ligne. N'importe quoi. Tout ça. Tu t'avances. Voilà. Tac, ta 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 ta. Ok. Même principe. Ah, mais on a plus de ce côté. Donc là. Voilà, on est bien. Ici, on a un peu de place. Voilà, et derrière, on fait comme ça. On est bien en rafale enflammée. Oui. Ils sont sur simple ligne, mais... Et j'aimerais savoir d'où vient... Derrière. Bingo. Je suis en octaire, il est en hexarem. Ok. Quelques tirs qui ont bien été déviés. Hein. Allez, général contre général. Octaire contre Hexarem. Contre... Oh la vache, 200.
Par contre, ça c'est bête, c'est que du coup je peux pas fuir sans laisser mon général. Ce qui est très très ballot. Oh, joli ça, très joli. Alors, on va attaquer. Qu'est-ce qu'il fout de traviole lui? Non mais. Voilà, c'est encore une bataille navale dégueulasse qui s'annonce. Ouais, là, c'est pas tombé. Regarde-moi ça, ils sont tous à l'envers. C'est quoi, c'est une mode? Hop, allez, tirez-moi là-bas. C'est n'importe quoi, encore une fois, cette bataille. Hop, là, foncez dessus, les gars. J'ai perdu un navire. Lui, il dit quoi? Lui, il dit. Pour l'instant, il se dit qu'il se fait défoncer. Hein. Allez, hop, va l'aider. Allez l'aider. Oh, ils se font défoncer. Ouais, il se fait très très défoncer, là. Voilà, bon là comme d'hab, ça sert à rien. Ah ouais, il s'est pris double, il s'est pris double tarif gratuit. Voilà, lui il peut pas taper apparemment si. Bon. Voilà, lui il fuit. Lui bon. Lui il est bloqué comme d'hab, une fois que c'est au corps à corps, il ne sait plus rien faire. Ah putain, mon général qui fuit, c'est pas bon ça. Ouais, non, lui il est bloqué aussi. Ah là là, effectivement ça marche pas bien. D'accord, tu tires. Non, mais tu. Là c'est Cléopâtre par contre, ça en plus. Non, Thaïs. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, je veux pas savoir. Allez, encore, 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 encore. Voilà. Lui, il est incapable de faire de rentrer dedans. D'accord, il tire sur ses alliés par contre. Ça, il n'y a aucun souci hein, pour tirer sur les alliés. Hein. Pour tirer sur les ennemis, pour rentrer dans les ennemis, il y a quelques soucis. Hein, mais pour tirer sur des alliés, il est là. Hein. Allez, on rentre dedans s'il vous plaît, les gars. Qu'est-ce qu'il fout à l'envers, sérieux? Hop, allez, chut. On se retourne, je veux pas savoir. Toi, je sais pas ce que tu fais, mais tu sers à rien, comme d'hab. Oh, il a cramé, lui. Il a pris feu. Ok, il reste que lui. Ah bah, j'aurais perdu une grosse partie de ma flotte, hein, purée. Allez, tout le monde dessus. Ouais. Pas facile, hein, cette bataille. Hein. Mais bon, j'ai réussi à venir à bout de l'entièreté de sa flotte. Est pas si mal en vrai. Ce qui est vraiment pas si mal. Ah ouais, je perds un... bon, je perds mon amiral, c'est pas très grave. Tant que c'est pas Cléopâtre, c'était Thaïs, je crois, ou truc comme ça. C'est pas grave, il sera honoré. Il a gagné le repos éternel. Tu feras gaffe, Pompée, hein, t'es censé être. Comment dire, avoir une forte. Principalement dans tes flottes, hein, donc. Vu la bataille maritime que tu viens de perdre, j'en doute. Ouais, une mort honorable, oui. Honorable, je sais pas. Il semble pas qu'une mort soit honorable, de toute façon. Allez, on va à Athènes. Voilà, Athènes. On va bientôt pouvoir construire de beaux navires. Ok. Ah oui, c'est vrai. Bibliothèque. Et voyons voir comment ça se passe par là. Ça se passe plutôt pas mal. Ils sont 20, hein. Le problème c'est que j'y vais pas. Si j'y vais pas comme ça va pas le faire.
On va pas aller plus loin. Ah non, voici, je vais pas plus loin, ça va pas. Allez, je vais aller comme lui là. Là, ça, j'ai vraiment autant de pertes que ça là. Oh, c'est bon, allez, résolution auto. Ptolémée là. Hein? Mon bon petit gars Ptolémée là. Surtout que tu peux recruter des fortes unités, toi. Allez, tue-moi tout ça. Allez, finis-les-moi. Ah non, c'est pas le match que je veux. très très bien tout ça, très 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 bien. Talentueux tirailleur, hop, c'est parti. Les frères du truc là, on s'en fout. Là bah du coup ils sont tous barrés. Bah écoute, ça leur arrivera sur la tronche, ça leur fera bizarre. Hein. Vous avez qu'à rester là, les gars. Ah, il y a du monde en vrai. Hein. D'un coup, dès que j'ai quitté Charak, c'est. Tout le monde est arrivé. Ouais, puis je pense que je vais devoir faire un port ou un truc comme ça ici. Un port militaire. Parce que bon, là, ils passent trop la mer et ils sont paniqués là. Ok, putain, il est déjà arrivé à Massilia, lui. Non. Eh bien. Ouais, je continue le siège. Ouais. Dans un tour, il y a une reddition de toute façon. Donc... Il a essayé, mais il a pas réussi. Allez, mode protection. Hop. Voilà, on tue. Ouais, faisons un petit trou dans les territoires de Pompée. En vrai de vrai. En vrai de vrai, je l'attente. Quand je vois ces unités, des trucs mais pourris, de chez pourris. Sachant que la première unité arrivée chez moi, ça va être ses éléphants et sa cavalerie. Enfin, sa cavalerie en première, puis des éléphants. Je suis obligé de la tenter. Je suis obligé de la tenter. Regardez ça là. Hop. La question, elle se pose même pas, les gars. Regardez ça. Plus j'ai du piqué quoi. Formation phalange. Voilà, la cavalerie, on va les mettre là tranquillement. Ils ont pas grand chose à faire. Ainsi que l'infanterie égyptienne. Voilà, lui c'est là. En soi, pour l'instant, il n'y a que les piquets qui pourront faire le travail. D'ailleurs, on va tirer les unités comme ça. Monde en mode garde. Ah, les éléphants de guerre là par contre, j'espère juste qu'ils vont vite mourir parce que là j'ai quand même des piquets égyptiens mais moyens donc heureusement j'ai le général en plein milieu. Cavalry med, les le... il s'appelle Tukilti putain Ninurta, Tukilti Ninurta. Pas facile à dire. Ouais, prépare une charge là. Quand ma cave me piquer moyen. Ouh, tcha 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 tcha. Ah non, qui a réussi à passer là. Non? Regardez-moi ça, ça c'est beau ça.
ça c'est moins beau, mais. En gros, ce que je vais faire ici, c'est que je vais bloquer le passage. Surtout pour les unités à distance, les frondeurs, les javelots, pardon. Hop, ouais, on va se mettre. Ouais, non. Je voulais décaler, mais là, s'ils partent du corps à corps, c'est pas bon. Les éléphants de guerre, ils veulent pas bouger, je crois. Là, je pourrais peut-être farmer ici avec deux unités. Ouais, deux, ça fait beaucoup. Ici, on ferme avec une. Ouais, deux. Ouais. Une, ça pourrait suffire, en vrai. Ce que je vais faire. Il a toujours pas réveillé les éléphants, lui. Voilà, maintenez, maintenez. Ça va être très bien. Allez, je retire le feu à volonté. Il n'y a pas de raison. Ils vont se suicider. Ils sont 4. Très très bien. Ok, eux, il faut absolument que je les emmène là maintenant. Ici tu peux pas, le problème c'est qu'il y a l'éléphant là, il met pas mal de pression en vrai. Hop, mes unités à distance, tac. Lui je le ramène. Oh merde. Lui aussi je le ramène là. Hop. Plus que ça. Et merde. C'est pas bon ça en vrai. Je vais le faire aller là tous. Oh la vache. Oui, ils sont longs à descendre par contre. Ouh là là. On va faire sortir ma cavalerie là avant l'arrivée des. Ouais, non. Avant l'arrivée, j'ai dit des éléphants. Ok, bon, mais. Je vais pas pouvoir. Non mais. Ils sont téméraires, c'est con. Hein. Aller les piquer tranquillement. Tac, pareil, on va les faire attaquer au corps à corps, les frondeurs là. Là j'ai des pertes, ça sert à rien là. Je peux pas y aller comme ça avec lui. Voilà, hop, allez vite. Je rabats, je rabats, je rabats, je rabats. Il me faut vraiment une unité là qui vienne. Ah, c'est bingo, c'est bingo, c'est bingo. Ils ont fui là les frondeurs, c'est ce que je voulais. Non, là, ok, toutes ces unités à distance, elles sont loin. C'est compliqué là. C'est très compliqué. Aïe aïe aïe, non, pas ça. Non, 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 pas la populace. Allez, faites feu à volonté, les gars, là, là-dessus. Ah non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Mais non, pas de repli. Oh, putain de merde. Ah, les éléphants, là, ils m'ont fait mal. Il faut rendre fou les éléphants, il faut rendre fou les éléphants à tout prix. Cavalerie là par l'arrière, s'il vous plaît. C'est le moment. C'est le moment de briller. Allez, attaque-moi ça. Bon, la populace là, par contre, si elle se prend un éléphant là, elle va pas être bien.
Ok, là c'est en train de fuir, c'est en train de fuir. On continue, on continue, on continue, on continue. Ici ça devrait tenir un moment. Allez, 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 on charge, on charge, on charge, on charge. On a pas le temps de niaiser les gars, pas le temps de niaiser. Voilà, signe de faiblesse. Bon, à l'emmerde. S'ils veulent bien là. Ok, 4 éléphants, 4 éléphants. Allez, allez, attaquez. Oh, il est rapide lui, hein. Là, on charge, là, j'ai pas envie de me prendre des lancers orientaux là par l'arrière. Putain, je me fais accrocher. Je me fais accrocher, mais je suis obligé. Allez, hop. Voilà, on se replace, les gars, on se replace, on se replace. Hop. La cavalerie, pareil, tu retournes de ton côté. Et tu me refais une charge. Allez. Voilà, une double charge là, ça devrait être pas mal. Ok, l'éléphant a fui. Ah merde, mes frondeurs aussi, c'est pas cool. Ok, là c'est une bonne charge qui s'est faite. C'est compliqué hein. Bon, au moins je leur ai fait de bonnes pertes. Hop, allez, même principe. On fait les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Je vais retirer la... Comment ça, il fuit lui, mais t'as personne? Putain, ouais, non mais il prend beaucoup de dégâts à cause de ça, là. Je les ai pas vus du tout. Ah mais non, mais faut, si vous arrêtez, c'est normal en même temps, vous êtes con, appuyez en pouvoir, vous. Bon, c'est la galère. Ah, ils sont cons, ils en peuvent plus. Hein. Et là, lui, putain, pareil, il prend quoi? Il prend les frondeurs là-bas, lui? Mais non. Allez, on les pousse, on les pousse, on les pousse. Dans les pics, les gars. J'ai quand même pas mal de pertes en vrai. Hop. Hop. Reculez, là, vous prenez des tirs des javelots. Et des frondeurs. Vous voulez pas courir, vous? Putain, vous savez faire que ça, les gars. Ah, putain, non. Ils sont... Ils fuient plus, putain. Ah mais c'est pour ça qu'il fuit plus. Simplement parce qu'ils sont retournés dessus. Toi par contre, je peux te dire, les frondeurs là-bas, toi tu vas pas faire en feu. Bon, eux là. Voilà, là les... Là les frondeurs, les javelots, là ils font plus les malins. Mais allez-y putain! Non mais... Voilà, les frondeurs là, ils prennent leur dû. On se barre. C'est quoi ces unités à pied là qui sont aussi rapides que mes cavaliers là? Oh. Sérieux? Allez, on va choper la cavalerie là-bas. Enfin la... Les frondeurs là derrière, hop. Arrêtez de fuir. Mais arrêtez de fuir, mais c'est quoi ce bazar? Putain. J'ai perdu deux unités et demie, ils ont tous fui le reste. Alors qu'en vrai, purée, on se débrouillait très bien. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. On débrouillait très très bien dans les éléphants. Bon bah bien sûr les éléphants ils cassent le game. Sauf que le problème bah, c'est qu'ils ont tous fui. J'ai les trois quarts de mon armée qui ont fui sans être mort quoi. Ça c'est chiant. Et ça c'est très chiant. Voilà, un piège dans les règles. Voilà.
peuvent se révolter ici, rien à fichtre. Au contraire, même révoltez-vous, ça me fera moins de pertes de bouffe. Hop, de l'argent. Je peux pas développer quelque chose par ici. Ouais, ici. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'avais développé moi du coup? Rien. On va finir sur les technologies militaires. Avec une caserne royale. Tant qu'à faire. Hop, diplomate. Oui, très diplomate lui. Très très diplomate. Et Mazgat. Que l'on va faire tomber, qu'on va rendre surtout. Ah. Ah, je peux pas rendre. Ah. Bon bah ça c'est dommage. Ça ce sera une cale sèche. Ça me sert à rien. Et un puits de céréales. Hop. Bon bah ici ça me fera une un point avancé, on va dire. Hop. Ok. Sur 3 tours. Ah, c'est long, hein. Puis on va continuer, on va fuite. On va faire tout droit. Il a quand même. En vrai, Rome de Lépide a quand même pas mal de territoire. Là. Il a toute la péninsule ibérique, le sud de la Gaule. Ça commence à faire. Ah, Jérusalem. Oh, oui, enfin. Combien de tours? 5? Ouf, tranquille. On a tout le temps. On a tout le temps qu'on veut. Hop. Ici, on a dit ça. Ici, on a dit ça. Petite terre consacrée, voilà, quand même. On veut de l'hellénique. Enfin, tout ce qui rapporte un peu de nourriture, du agriculture. Ah, j'étais bloqué là, je réfléchissais à comment on dit hellénique. Pendant un moment, je vous avoue, j'ai dans mode merde, c'est quoi ce mot déjà? Rome d'Antoine? Bah non. Non, je veux bien quand même, mais non, pas toi. Faut déconner. Quoique si. Oh oui, on va subjuguer. Oh très bien. Voilà. Ah oui. Putain, ils sont en guerre contre tout le monde par contre. Hein. Il m'aime bien. Ils sont potes avec pas mal de monde. Ah, c'est génial. Par contre, t'es pas Antoine, toi. Hein. Allez, on joue bien. T'es mon mari, tu vas pas me lâcher comme ça quand même. Oh oui, ah oh oui, ah oh, ça c'est drôle. Et un petit amphithéâtre? Oui. Oh non, auberge des voyageurs, c'est bien ça. Oh, je ne peux pas passer. Je peux pas, je peux pas. Il y a un caillou sur la route. Ah, bouge-le, le caillou. Donne un coup de pied dedans. Du Dieu.
petit dernier tour tranquille apparemment. Ou est-ce que je parlais trop vite? Un petit dernier tour tranquille, voilà. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ok. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été un peu plus mouvementé que les autres, je trouve. On verra comment seront les prochains. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Thiob. Ciao!